Hello mon gars, je même pas que c'est toi. Je vais tirer le micro par là. Tu t'installes, tu fais comme chez toi. D'abord, un truc pour vous dire à quel point elle est géniale. Il y a le sens en français, le sens en russe, en dernier, le gars pour la fin. Et les petits couplets en espagnol. Va dehors si tu veux parler. On va faire la classe ici. De toute façon, voilà, déjà on a le sens en français. Et ensuite, ce sera un poème. Et je demanderai à mettre la musique de Borodine, les danses polovtsiennes du Princikor dirigé par Gergiev avec Marinsky de Saint-Pétersbourg. Après, mais déjà, la petite chanson, c'est... Le texte. Super chatte, super Jeanne, connais-tu si gigantesque? Tu enchantes tes amis, tu peux même sauver leur vie. Super chatte, la Jeanne, être sans malice et sans peur. Une excellence jaillit droit du cœur, tu fais des miracles, notre bonheur. Super gata, super Juana, à l'extraordinaire Valentia. Deleitar a tus amigos, puedes incluso la vida salvarnos. Super Juana, super gata, individuo de oro puro. Para mirar tu realizas, puedes incluso mover montañas. Super gata, super Juana, sin miedo, sin reproches. Las sombras, tus inorrecidades, nos haces felices. Super Juana, mi pequeña, al extraordinaria Valencia. Las manos haces milagros, nos elevamos, somos perfectos. Super Costa, Maya Joana, la calle gran maíz de las ti. Cambiando el gorrit de gaies, un poche doy de la yesh. Super Costa, Maya Joska, chisa gol, suja gol. Gaya zapa, gade fuyesh, izinam, bojesh. Super Costa, super gana, chisa gol, suja gol. Gaya mbiche, gade fuyesh, chasi gol, de la yesh, de la yesh. Maladies, jana. Ah oui, c'est toi, Jeanne. Oui, oui. Elle a senti. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une contextualisation, s'il te plaît? Alors, voilà. Après, il y aura la musique de Borodine. C'est la musique qui a été popularisée par Antoine Daniel de Supercode. C'est un truc russe avec le super chat masqué et tout. Articule un peu plus, on comprend pas très bien ce que tu dis. Si vous voulez pas qu'on t'entende. C'est comme Jeanne d'Arc, Jeanne sans peur. Il y a des cadouches, d'ailleurs. C'est la magnanime, au sens littéral, généreux. Donc, il y a Strash, là, Jeanne, c'est l'histoire d'un petit chat, c'est la première personne qui parle. C'est des You, première personne, il y a Tibia You Blue, je pète, en plus. Alors, en fait, c'est le petit chat qui, dans la maison, pendant que tout le monde dort, donc, le camp, les amis, font des rêves, elle décide de partir. À la découverte du monde et de la vérité, de toute la vérité, toute seule. Quand le travail est important, enfin, quand le travail secret, là où le silence est d'or, etc. Mais elle va revenir, elle va raconter la vérité, etc. Prévenir les ignorants, protéger les innocents. Bon, il faut pas tomber quand même dans le jeu de l'ennemi, il faut être sans peur et sans reproche, mais pas trop surremarqué quand même, parce que l'ennemi est si cruel et pour ville. Il attend le meilleur moment pour s'avérer chat le soupénia, pour commettre ses crimes, évidemment le tuer, si je suis tué, je ne peux plus aider le problème. Et il ne faut pas tomber dans le piège moral de l'ennemi, c'est-à-dire faire des dommages collatéraux et des victimes innocentes. Il ne faut pas ensuite dire que c'est. En gros, les Russes qui mettent. C'est pas eux qui mettent des mines en petit personnel contre leur propre population en Ukraine. Par contre, les états mafieux, en gros, c'est ça. Par contre, c'est souvent sur Jeanne, parce que son courage, plus elle grandit, petite,
petite, faut pas dire petite, hein, c'est Vielika, Vielika, hein, grande, hein, très grande amour, Vielika, Vielika Duchner. Elle actualise de jour en jour, toujours elle veut faire le bien, elle met toujours sa grande intelligence au service de son grand cœur, sa bienveillance. Voilà, et elle pense qu'elle va pouvoir sauver les animaux innocents qui courent sur la terre, de sauver tous ceux qui souffrent, qui meurent, à cause de lois iniques, dégueulasses, qui sont dictées, imposées par une poignée de merde, en fait, d'héritiers, qui, pas des aristocrates, quoi, pas les meilleurs, mais vraiment des héritiers qui ne produisent pas, font sourire, et on va poser un ordre plus juste dont la Terre, le monde multipolaire a besoin. Bah, je ne dis pas mon programme dans le texte, mais c'est l'idée, quoi. Bah, donc, c'est la morale guerrière. Merci énormément, Moshka. Je vais bien mettre là, du coup, le texte en russe. Au deuxième set. Ah ben, ça te va. Non, en fait, pour le faire maintenant. Maintenant, t'es à 6 minutes. Hein. Tu veux brancher ton. Non, ta sonno. C'est bon, tu peux mettre le. S'il te plaît. Excuse-moi. Sur les mains. Ah, je sais. Est-ce que tu peux mettre Bobo Dylan? Voilà. Je t'inscris. Oui, elle va le faire. Voilà. Je t'inscris. Je t'inscris. Il y a du mélange. Les danses pour le ciel, écris HL. En dessous de Bobo Dylan. Un peu plus fort. Ah, ça se passe là? Attends, je coupe. Je...